retrouvons demain pour assister au Grand Prix. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Thierry, on se retrouve pour le Grand Prix d'Espagne de cette carrière F1 2018 sur PC avec Red Bull. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça va. Bon, les qualifications ont été un peu compliquées, hein. On a changé le moteur après les essais, on le gardera uniquement, hein, comme j'avais dit, pour les essais. Et un nouveau moteur tout neuf pour les courses et les qualifs. Bon, il y a eu de la pluie, des changements de conditions, donc ça a été un petit peu compliqué, une petite boulette je pense dans mon setup. Mais bon. Franchement, je pense que ça va être un bon Grand Prix. Donc, ben, vous voyez la grille de départ. Hein, je suis 7ème. Voilà un petit peu le reste pour voir un petit peu. Et Leclerc qui ferme la marche. Allez, on y va, on perd pas de temps. Grand Prix d'Espagne. Bon, on va essayer de faire notre maximum. Hein. Normalement, ça devrait être jouable, j'espère. Quand même. Prions que ça se passe bien. Bom, bom, bom. Allez. Du coup, ben, on va... Regarde un petit peu aussi, ouais, j'ai eu quelques améliorations, je vais essayer de vous montrer ça, sans activer le Grand Prix. Je compte sur vous pour renouveler l'exploit durant la course. Voilà, donc normalement, j'ai enfin eu cette pièce, après, en aéro, normalement, bah oui, on a eu cette pièce-là, et bah, il me semble que c'est tout, hein, puisque en châssis, on est toujours devant, donc c'est pas un problème, donc voilà. C'était les petites améliorations qu'on a pu faire, rien de bien ouf. Allez, on est parti, donc, pour ce Grand Prix d'Espagne, c'est parti. C'est ce que le Grand Prix d'Espagne nous réserve aujourd'hui. J'espère que nous aurons le droit à une belle bagarre sur la ligne droite des stands, comme entre Mansell et Senna en 1991. À moins que la course ne devienne plus tactique sur un tracé où les dépassements sont difficiles. Le circuit de Barcelone est une piste rapide de 4 650 km où l'appui des machines et le courage des pilotes jouent un rôle essentiel. Croyez-moi, le virage 9 pris à l'aveugle et à pleine vitesse constitue à lui seul un véritable challenge. Après la superbe séance de qualification d'hier, il est temps de jeter un œil à la grille de départ. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Vettel, Baron et Alonso, Van Dorn, Hülkenberg, Hartley et Romain Grosjean, Gasly, Magnussen, Marcus Ericsson et Raikkonen, Sirotkin, Sainz, Sergio Perez et Esteban Ocon, Stroll et pour finir Charles Leclerc en queue de peloton. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Bon, ben on a gagné des places hein, grâce aux pénalités. Notre position sur la grille est encore meilleure que prévu, essaie de la conserver. Alors, on met un peu d'essence. Parfait. Allez. Allez, on est parti donc pour le tour de formation. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. Bon, circuit de Catalogne, vous le connaissez, hein, je pense, beaucoup, tout le monde hein, le connaît. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Allez, on fait bien chauffer nos pneus, nos freins, tout ça, on connaît la chanson. Bon, mon setup me fait pas mal glisser. Allez, tranquille. Ouais. Bon, normalement, ouais, j'ai bien vérifié, il va pas pleuvoir. Donc, normalement, ça devrait bien se passer, hein, ça va être un bon Grand Prix. Bon, il faut qu'on remonte un petit peu. Heureusement que les pénalités sont tombées pour certains. Parce que, voilà, on partait un peu plus loin. La cinquième, ça peut être jouable. Si on est capable de faire la pole, on peut gagner ce Grand Prix si on fait pas le con. Mais il y a Verstappen aussi, donc... voilà. Mais au classement, c'est une bonne opération pour l'instant parce que ben, Raikkonen étant devant nous... est très loin sur la grille avec sa pénalité, donc on peut jouer, on a une grosse carte à jouer sur ce Grand Prix, même si on gagne pas. Hein. Donc il va falloir être bien placé, éviter de faire l'imbécile, et normalement ça devrait bien se passer. Allez, on va terminer ce tour
d'installation. Merde, j'ai pas eu le temps de mettre le mélange riche. Tant pis, on le fera au moment du lancement. Bah écoutez, Grand Prix d'Espagne. Pouf, Catalunya, c'est le cinquième Grand Prix de cette saison de Formule 1, de cette carrière suivie. J'espère que ça va bien se passer. Montez le volume, amusez-vous bien et je vais pas beaucoup parler, hein, c'est très difficile. Très très difficile, surtout ce circuit, il est pas triste. Ah, on va pas s'ennuyer, c'est sûr. Allez, bon Grand Prix à toutes et à tous. Fais attention au feu, le départ va être donné une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Oula, oula Vettel. C'est bon, c'est passé sur Hamilton. Tout se présente bien au démarrage. Allez, on a fait un départ tranquille. Allez, l'instant ça va. Verstappen a été doublé et il fait le bouchon. Travail d'équipe. Ou alors il est juste un peu lent. Allez. Ok, on est dans le troisième tour, tu peux maintenant utiliser le DRS. Ah, il déboîte, il essaie de défendre à l'intérieur. Ah dommage, Verstappen il a pas pu résister plus longtemps. L'objectif carburant est à plus 1, passe à un régime moteur supérieur. Wow. A été déployé, ralenti et garde un delta positif. Voiture de sécurité virtuelle déployée. Eh ben, je sais pas ce qui s'est passé, mais virtual safety car. Mmh.
Ouais, ouais, t'inquiète. Bon, ça dure un peu longtemps ton truc là. Ok. Ok. J'avais compris, t'inquiète. Oh oui, les pneus sont morts. Allez, l'arrêt au stand. Allez, on y va. Là, je sais pas si vous avez entendu, il y a un petit signal sonore. Hein. C'est sympa. Allez. Bon, on ressort dixième. On est derrière Vettel, je crois qu'on pourra pas faire mieux. C'est bien chiant là, Alonso là. Ah, on est derrière Verstappen quand même. Hein. Oui, Alonso, tu vas te calmer. Waouh, waouh, waouh. Prévenez, hein. Ta vitesse immédiatement et maintiens ton indicateur delta positif.
Leclerc hors course. Ah. Roule moins vite. Notre indicateur delta est trop faible et nous risquons une pénalité. Il faut lever le pied. Ah mais. J'accélère à peine, s'il te plaît. Le jeu part un peu en couille là. Ah! Je sais pas qui c'était, mais bon. L'écart avec la voiture qui te précède est de 4,4 secondes. Meilleur temps pour Vettel, bah dis donc. Vettel vient d'inscrire le meilleur tour en course. Eh ben moi aussi, d'accord. On creuse l'écart d'environ une seconde par tour avec la voiture de derrière. Allez, bon, ça va, pour l'instant ça se passe plutôt bien. On commence à revenir sur Verstappen, ça va être ric-rac, on va voir. Hein.
Encore, hein. C'est difficile. On revient, mais tout doucement. Vettel a pris la tête. Ah. Bottas a été doublé. On y arrive. J'ai failli la perdre. Ah, pas de DRS, bon, tant pis. J'ai combien en essence? Hein? On verra. J'avoue que ça pourrait m'aider. Sur la voiture de derrière est de 6,5 secondes. Ah, ça va être crack, hein. Voilà, de façon autoritaire, on l'a fait. Jolie manœuvre, bien joué. Non, je panique pas, tout va bien. Nous avons à peu près 2 tours de carburant.
Allez, dernier tour. Ouais, il est trop loin Bottas. Mais de toute façon, je fais une excellente opération au championnat. Normalement, si je dis pas de bêtises, je prends la tête. Ouh ! Reste là, ma cocotte. Les pneus sont en train de se barrer. Me font hey gros, tu nous as tapé dedans. Maintenant, bah tu vas rigoler. Et victoire de Vettel. Et le podium, la troisième place. Yes. Ouh. Ouais, bah merci. Eh ben dis donc, quel grand prix de malade. Bon, il n'y avait pas non plus de l'action à tous les instants, mais il fallait la tenir la cocotte, hein, pas facile. Wow. Selon vous, Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Ouais, Kimi, 5ème. 5ème ! Chou ! Ah bah j'ai bien fait de faire 3ème, moi. Bouah ! La remontée ! Et il s'est tapé une remontée, Raikkonen, c'était ouf. Bravo, bravo, ouais, j'applaudis, je suis là, sur le podium. Ouf ! Ça a pas été facile, mais on va dire que... Bah, mission accomplie, voilà, on a fait ce qu'il fallait. Bon, maintenant, reste à savoir, Vettel, il était un peu loin au classement... On va voir, hein. On va voir. Bon. Alors, le moment de vérité. Nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduire. D'après vous, Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui? On était à 13 points d'écart. Comment c'est sûr qu'on reste à 13 points d'écart? Nous passons à présent au constructeur. Il a fini derrière moi. Renforce sa position de leader au championnat. Red Bull a réalisé une belle prestation. Normalement, je suis censé avoir gagné 5 points. Sa position au classement. Après ce rush d'adrénaline, il a un souci le classement ou attendez, il faudrait revoir la course précédente. Mais normalement, j'étais déjà à 13 points. Normalement, je suis censé avoir marqué 5 points et être revenu. Ou alors 5 et 3 à 8. Et on était plutôt à 18 points et on revient seulement à 13. A vous de me dire dans les commentaires parce que moi, là, c'est étrange, là, cette histoire. Très, très bizarre. Bref, bon, du coup, au classement général, enfin, au classement des constructeurs, on a égalité, mais on passe devant Mercedes. Incroyable. Donc, sinon, Vettel, Bottas, moi-même, Verstappen, Raikkonen... dernier dans les points, c'est Sainz. Après, ben, on a en déception quand même Leclerc qui abandonne. Et Hamilton, il est passé où? 14e. Eh ben, bon. Allez, on avance, on perd pas de temps. Bah écoutez, voilà, c'était un grand prix assez intéressant. Et donc, un petit interview avant de se quitter. Vous êtes fier de votre résultat? Êtes-vous satisfait du résultat aujourd'hui? Fair play, mince, je voulais me mettre en avant, mais tant pis. Vous avez livré un combat de haut niveau contre votre adversaire direct. Nous pousse à être meilleur, voilà. Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions? La puissance, tiens, ouais. Merci pour votre temps. Ouais, c'est vrai qu'on manque un peu de watts dans le moteur, mais bon, on fait ce qu'on peut. Non, bah voilà, écoutez, c'est un excellent Grand Prix, hein. J'espère qu'il vous a plu. Hein, n'hésitez pas, hein, un petit commentaire, un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous avez quelque chose à dire. Ce week-end ne vous a pas fait ah, on a un truc d'événement. Bon, bah on verra ça la prochaine fois. Écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour le Grand Prix suivant, qui est normalement Monaco, si je me trompe pas.
La petite épreuve, je la ferai. Bon, bien évidemment, vous l'aurez en fin de saison. Voilà, bah écoutez, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans la description, il y a tout ce qu'il faut, Twitter, pour parler, des petites choses à découvrir, n'hésitez pas. Faites comme vous voulez, moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouve la prochaine fois.